Là, on va continuer avec du Ben Harper. Et du coup, je voulais quand même vous remontrer l'audio réserve chez LS2B en préamplification. Car ce préampli-là, en fait, là, il se marie vraiment bien donc avec les deux. Hein. Mais il y a quand même. Tu vois que le mariage, il est très bon avec les S412 là. Ça se marie bien. Franchement, pas mal du tout. Le tube là, papa, pa, pa, c'est. Tu vois, là, ça commence à. Bah, tu vois, là, sur cette musique. Comment dire, entre les TI-5000 et les S412P, j'ai limite un penchant pour les S412P là. Tu vois, ça y est, ça y est, ça y est. Voilà, attends, on va commencer avec les. Tac, là, c'est lesquels? Là, c'est les TI-5000. Un truc qui m'embête au niveau du réglage du volume à chaque fois quand je change donc d'enceinte. En fait le gain on, vu que c'est un le volume il est cranté en fait. Donc là tu vois il est cranté. Donc là à ce niveau-là dès que tu tournes un tout petit peu le volume il est beaucoup trop élevé après. Je trouve que la transition elle est mal faite entre là. Attends. Hop. Tu vois entre là et là. Voilà. Ça te fait un volume qui est pas trop fort là, et là d'un coup la transition est trop élevée. Donc voilà, c'était la petite. C'est ça qui est un peu embêtant parce que du coup, avec le rendement des enceintes, vu qu'il est forcément légèrement différent, des fois on peut avoir un petit écart de volume qui peut être assez embêtant dans le comparatif. Mais bon, voilà, en tout cas, Ben Harper, ça passe bien sur les deux.